Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une ouverture de 4 LOL, donc let's go! Et donc j'étais trop pressée d'ouvrir une LOL, du coup j'ai ouvert une LOL confit du pop, donc c'était le garçon. Et en fait elle confrotte et qu'on a les mains hyper chaudes. Vas-y, moi. Montre-nous sans support. Voilà. Donc, en fait, dès qu'on frotte comme ça, en fait, ils deviennent roses dès qu'on a les mains hyper chaudes. C'est vrai, donc au contact de la chaleur, les cheveux deviennent tout roses. Là, ici et là. Et en fait, vu que maman, avant, elle était malade, et en fait, elle avait les mains hyper chaudes. Oui, c'est vrai. Du coup, tous ses cheveux, c'était rose. Trop joli. Je vous ai voir là. Ah oui, on voit un petit peu. T'es prête à ouvrir les autres? Oui, donc, je vais vous montrer comment ça se voit, en fait, là. En fait, vous vous tirez comme ça. D'accord. Et après, vous... Bah, on va vous montrer ça du coup avec la prochaine. Oui, donc là, celle-ci, donc j'ai déjà montré. En fait, elle a déjà commencé un petit peu à ouvrir. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, vous avez les deux pieds là pour mettre la poupée, comme j'avais mis le garçon. Là, vous avez le compartiment en fait, vous tournez pour avoir les surprises. Donc là, on va enlever le chocolat. En fait, vous enlevez comme ça et en fait, vous avez une surprise. Donc, première surprise. Ensuite, vous tournez, vous enlevez la deuxième surprise. Attendez, je sais que... Voilà. En fait, il faut les enlever, je crois. Vous retournez jusqu'à temps en fait, qu'il n'y a plus de sachets. Jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Donc après, là, ça, c'est l'avant-dernier sachet. Et en fait, là, vous avez la languette pour tirer. Là, vous avez la languette. Et le dernier compartiment. Donc, Luna a tout cassé. Elle en a mis partout. Ça, c'est des roses parce qu'avant, c'était des bleus. Luna a même pas eu le temps de tirer la languette qu'elle nous a tout cassé. N'importe quoi. Après, on va faire l'aspirateur. Hein. Ah, bah oui, hein, tu commences bien la nouvelle année, toi. Non, mais elle fait tout tomber, Luna. Donc là, j'ai un petit tatouage. Donc là, c'est mon deuxième petit tatouage. Donc là, c'est une caméra. Ah, ça te correspond bien en fait. Ouais, ça me correspond bien quand même. Et l'autre c'était, je sais plus trop. Là, on a une petite totote. Toute dorée, trop mignonne. Trop beau. Ouais, il est doré et blanc. Donc là je vais refaire, donc j'ai mis un peu de confetti pour que vous voyez en fait. Vous tirez en fait, vous prenez là et vous tirez comme ça. Le bazar. On est là. Luna va devoir faire le ménage. Non, non, non. Si, si, si. Luna, yes man? Non. Oh, licorne. Alors, montre-nous. Waouh, c'est un joli serre-tête licorne. Oh, imagine, j'ai la licorne. Ah bah, à mon avis, c'est bien parti pour... J'ai eu la licorne, je suis trop contente. Donc là c'est une populaire par contre. Oui, c'est une populaire. J'aurais plus pensé que ce type de poupée serait plus une rare, mais bon. C'est déjà bien. Oui. Et tu as sa tenue aussi, tu l'as pas encore ouverte? Si. Bah alors on va l'habiller après et on va regarder les autres sachets. Mais il n'y en a plus des sachets. Et sa tenue, tu nous l'as pas montré? Mais si. Non? Ah oui. Donc voici sa tenue à être belle. Trop trop jolie. Et je vous ai pas montré non plus les chaussures. Non. Tu nous les montres? Oui. Bleu, du blanc et il y a un du petit doré. Nœud. Trop mignonne. Le petit nœud doré. Je vais l'habiller. Donc là je mets les chaussures. Donc elle fait pipi et elle crache. D'accord. Donc... Et en fait elle fait tout. Elle pleure, elle fait pipi, elle crache. Alors, en attendant, je vais vous montrer le flyer. Le flyers avec les poupées. Alors, vous avez une partie glider. Vous avez celle-ci. Là, j'ai le garçon de... Là.
Vous avez aussi celle-ci. Alors nous, on a eu le garçon dans la première. Et en fait, c'est un ultra rare. Donc je suis très contente. Et en fait, là, il y a la licorne aussi. Ensuite, il y a celle-ci. Là, il y a la licorne. Et nous avons eu une populaire, la licorne. Et je trouve que c'est la plus jolie. Donc là, en fait, là, c'est toutes les poupées qu'on va vous montrer, là. Et les autres à collectionner. Donc ça serait celle-là, la sœur de que j'ai eue. Donc ça, ça serait... Alors, donc ça, ça serait la petite Lille Unicorne. Mais il est là, le garçon que j'ai eu de... Ah, et ben, va falloir qu'on continue la collection et prendre les Lille Sisters. Ouais, les Lille... Alors... Nous allons continuer la collection et essayer d'acheter la prochaine fois les Lille Sisters. Parce que du coup, on n'en a pas encore fait Etipop. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-ci, c'est un c'est des autres. Je pense aussi. Il faudra que l'on regarde. Donc voici la poupée, donc on l'a habillée, elle est trop chou. Elle est vraiment trop canon, j'aime beaucoup, j'adore les couleurs. Franchement, je serais plus jeune. J'aimerais bien me faire la même couleur de cheveux. Maintenant, nous allons ouvrir les deux boules LOL Lille Sisters. Et je voulais préciser que, en fait, toutes les LOL que j'ai eues, je les ai eues à Noël. Donc, voici les Lille Sisters que l'on peut trouver à l'intérieur. Et il y a aussi un garçon. Oui, il y a aussi un petit garçon. Là. Là, nous avons un skate comme ça. Noir. Et là, c'est un petit cocotier. Un palmier. Ça se trouve, je vais avoir le garçon. Peut-être, on ne sait pas. Là, c'est le bébé, donc je ne vais pas tout de suite ouvrir le bébé. Donc, nous avons des lunettes noires et blanches. Ensuite, le truc de la boule. Et nous allons découvrir le bébé. C'est le garçon! J'ai de la chance. Et c'est un populaire. Et voici le bébé. Donc c'est un petit garçon. Il est trop chou. Ouais. Mais quand même, là j'ai de la chance. J'ai eu un garçon dans les... dans l'autre. Dans les grosses boules. Et là tu as eu... Ah, le bébé. Mais j'ai pas eu le bébé de l'autre en fait. J'ai eu celui-là. L'autre. Deuxième boule, les Lille Sisters. Non, c'est pas ça. C'est le bébé, donc on va pas l'ouvrir tout de suite. On va garder le suspense jusqu'à la fin. Ouais, et du coup moi je regarde, mais en fait le flyer m'a à l'envers. Les petites chaussures avec des petites boules de glace. Donc maintenant on va découvrir les deux sachets-là. Ah, c'est le sac je pense. Oui, oh il est trop chou, c'est un petit chat. Alors, tu nous montres de plus près. Voici le petit sac en chat, trop mignon. Non, on va découvrir le bébé. Bon, là aujourd'hui je vais tout tomber. Elle est trop mignonne. C'est laquelle? Tu nous la montres? Ouais. C'est une populaire. Et c'est Daring Diva. Et tout à l'heure le petit garçon c'était Lil Skyward Boy. Alors tu nous la montres de plus près? Oui. Et voici la Lille Sisters, elle est trop chou. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Alors en premier j'ai eu deux bébés, donc j'ai eu celui-ci avec une chaussure et j'ai l'autre. J'ai eu le petit sac aussi là, il est trop chou le chat en tout cas, monsieur. J'ai eu le bébé, donc j'ai eu le petit bébé qui est trop chouchou. Sa paire de lunettes et son skate. Trop beau aussi. J'ai aussi lui, donc sa bouteille, une petite bouteille, et son petit bibi, pardon, et le garçon. Et j'ai eu aussi la licorne, trop belle, avec son petit bibi et sa tête. Dans cette ouverture, laquelle t'as préférée? Je les ai tous aimés. Alors moi, j'ai adoré la licorne, je la trouve vraiment trop trop belle. Moi, je les ai tous adorés parce que déjà, la petite fille, elle est violette, la couleur que j'aime. Elle fait un clin d'œil comme j'aime aussi faire. Le sac, il est trop chou. Le bébé, les garçons aussi, ils sont beaux, ils sont... Moi, je reste sur ma position. La licorne, c'est la plus jolie. Et j'aime aussi la licorne parce que j'aime bien les licornes. Bah, lucorna, licorne, hein, c'est pareil. Ouais. Dites-moi dans les commentaires quelle poupée LOL vous avez préférée entre ces quatre, donc les deux garçons ou les deux filles. Vous pouvez en choisir deux ou une.
Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.